avant tout, vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton, sur la petite vignette en bas à droite de cette vidéo YouTube. Alors, Space Game, c'est un jeu sorti, enfin créé par Free Game Blow en 1987. C'est un peu la suite de Blue Star. En fait, là, Blue Star, on était un jeu en 2D, et là, on est en jeu en 3D. Et en fait, apparemment, c'est assez proche au niveau du concept. Sauf qu'il n'y a pas les météorites et les vaisseaux spatiaux, c'est tout dans le même tableau, en fait. Donc, on retrouve le tableau habituel des jeux d'arcade Free Game Blow, hein, avec le tableau des scores, etc. Vous voyez, là, alors, là il faut dégommer que les vaisseaux dangereux, en fait. Et les missiles, enfin les bombes. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Hop. Alors les comètes là sont pas trop dangereuses apparemment. Alors. Donc c'est plutôt les vaisseaux qui sont ronds là, qui ressemblent à des cibles qu'il faut dégommer. On a un nombre de missiles illimité hein, évidemment. Ah mince, j'arrive pas à l'avoir. J'espère que je vais pouvoir atteindre. Ah, j'espère que je vais pas perdre trop de vie là. Normalement, je devrais y arriver. Hop. En fait, on n'a pas besoin d'être très loin des vaisseaux pour leur tirer dessus. Hop. Enfin, on peut être. Ouh là là, je commence à être beaucoup devant le rouge là. Hein. Faut que je fasse gaffe. Ah, j'ai déjà perdu. Bon. Hop. On va refaire notre partie. Hop. C'est pas évident du tout en fait. Toc. Ah, j'ai oublié lui. Ah zut. Je perds beaucoup d'énergie là. Hein. D'accord, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dégomme un truc, ça paraît comme un tiret rouge en bas. Enfin, sur le côté gauche. Non, c'est pas ça. J'ai encore perdu? Bon, ben... Ah. Alors il faut pas tirer sur les croiseurs. Bon, je refais une partie. Bon, c'est un peu chiant. Si je tire tout le temps comme ça, ça fait quoi? Ah bon, je suis arrivé. Je sais pas comment que ça va se passer. Bon. On va te rentrer dans le deuxième tableau. Là, on a la planète Saturne, là. Je sais pas à quoi correspondent les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en bas. C'est pas indiqué dans la doc, alors c'est un peu compliqué. C'est un peu saccadé, un peu beaucoup. Alors c'est vrai qu'on a les limites du Thomson, là, on est en 1 MHz, alors... c'est sûr que sur un Atari Falcon, ça irait un peu plus vite. Hein. Bon, j'ai perdu. Voilà, donc c'était
C'était Space Game, édité par Free Game Bloat en 1985 pour les Thomson TO8 et MO6. A très bientôt pour une prochaine vidéo.